Et bonjour à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec la maladie, on va changer une batterie sur un MacBook blanc de 2010. Alors pour être plus précis, les MacBook modèle A1331 pour ceux qui cherchent au niveau de la référence. Alors j'ai commandé une batterie sur le marketplace de la Fnac et quand ça arrive chez vous, ça arrive en lettres suivies dans une boîte en carton. Et donc à l'intérieur de la boîte, qu'y a-t-il? Je vous fais un unboxing direct. On a traduit en plusieurs langues. Merci. Donc on a le user manual qui est fourni dans la boîte. Donc il est en shintok, il est en anglais, en français, en japonais, allemand, espagnol, enfin bref, il y a à peu près toutes les langues. Voilà, et on a également un autre guide. en fait c'est un guide un peu plus succinct. Il vous dit d'enlever la coque, etc., etc., comment il faut faire, patati patata, voilà. Et ce qui est très bien, et c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, c'est à l'intérieur, vous avez des tournevis qui sont fournis avec des petits tournevis de précision vraiment ridicules. Parce que, en fait, vous allez avoir besoin d'un tournevis particulier. Je ne sais pas si c'est celui-là, non, c'est le cruciforme. Vous ne verrez pas, mais c'est pas grave. Vous avez un cruciforme de précision qui est fourni, tout petit. Et vous avez un autre tournevis, alors que je vais vulgairement appeler un tournevis à trois pattes. Ça porte un nom. Si vous retrouvez le nom, vous êtes des génies. Mais en gros, c'est fourni avec. Alors, trois pattes. Faudrait que je vous montre une vis à trois pattes. On va démonter tout de suite l'ordinateur. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, voici le modèle de MacBook dont je vous parle. Je suis vraiment sur mon lit. Un conseil, ne faites jamais ça. Voilà. Donc, voici le MacBook dont je vous parle. C'est un MacBook comme ceci, avec les bords arrondis. Voilà, voilà. Donc c'est un MacBook de 2010 avec donc la coque en gomme en dessous. Alors, donc procédons au démontage. Je vais vous mettre bien, si vous voulez bien. Voilà, je me rends compte que j'étais de travers. Vous allez devoir démonter donc toutes les vis qui sont au pourtour de l'ordinateur. Donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, en symétrique en bas. Donc avec le petit tournevis cruciforme qui est fourni dans le paquet. C'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est le cruciforme. Donc vous vous munissez de votre tournevis cruciforme que vous avez reçu dans la boîte et vous démontez toutes les vis que je viens de vous démontrer, donc ceux en haut et ceux en bas. De préférence, vous pouvez garder les vis à leur emplacement. Donc par exemple, comment vous faites, c'est assez simple, vous démontez une vis et vous la mettez en face. Vous la posez juste en face comme ça, là pareil, 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 et en haut pareil, vous les posez en face comme ça. Mais il faut savoir que c'est toutes les mêmes, donc vous pouvez les regrouper dans un petit bac. Pour éviter de les perdre, parce que c'est vraiment très petit. Faites attention aussi, elles sont collées, donc elles peuvent être très difficiles à démonter. Ce que je vous conseille, c'est avoir des petits tournevis de précision, mais avec un manche comme ça, vous savez, un manche ergonomique. C'est beaucoup mieux pour les prises en main, parce que moi j'ai des vieux tournevis de précision en métal avec des stries. C'est pas très pratique, ça glisse quand même, et au début j'ai bien eu du mal à démonter l'ordinateur. Je suis désolé, ça scintille un petit peu, c'est la lumière. Donc go démontage. Et voilà, donc là j'ai démonté toutes les vis et en fait on va devoir adopter un mouvement pour enlever la plaque du dessous, parce qu'en fait de ce côté-ci, par là quelque part, il y a un petit titillon qui est enclipté à l'intérieur, et pour éviter de le péter, et ben il faut enlever la plaque comme ceci, il faut la basculer de gauche à droite. Donc en fait c'est assez simple, vous mettez votre petit doigt musclé là-bas en haut, vous chopez la coque par le haut comme ça. Et ensuite, vous y faites un mouvement simple, comme ceci. Voilà, et ça s'enlève tout seul, ça fait un petit clac. Et votre coque, donc, s'enlève. Je vais laver, alors au passage, avant de continuer, profitez-en pour les nettoyer. Moi, c'est ce que j'avais fait une fois. Il va peut-être y avoir un peu de poussière, surtout à cet endroit-là, au niveau du ventilateur. Il va y avoir beaucoup de poussière, donc nettoyez tout bien avec un pinceau, avec une lingette, ce que vous voulez. Mais nettoyez, voilà, c'est l'occasion. Donc je pose ça plus loin, voici l'intérieur d'un MacBook. Alors c'est assez simple, hein. Ici vous avez la carte mère, le ventilateur qui est ici, la RAM, la mémoire RAM qui est ici, j'ai deux barrettes de 4 Go, donc j'ai 8 Go de RAM, le disque dur qui est ici et le lecteur optique, le lecteur CD DVD qui est ici, et ici nous avons ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la batterie. Ce qui va être très important, c'est de faire gaffe au risque d'électrochoc.
Parce qu'en fait, la batterie dans mon cas est encore chargée. J'aurais pu attendre qu'elle se décharge, mais foncièrement, j'ai pas que ça à faire de ma vie d'attendre qu'une batterie se décharge. Au niveau des vis à démonter, je saurais trop vous montrer, mais en fait, les vis, elles sont assez simples. On a une vis ici, puis une, deux vis en bas. Et peut-être qu'on en aura une ici à démonter pour le... En fait, le... C'est le rail du disque dur. On va peut-être devoir enlever parce qu'il y a une encoche dans la batterie. Donc je vais voir si ça s'enlève ou pas. Ici et ici, ce sont les fameuses vis à trois pattes. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer d'ailleurs, mais je vais essayer de vous les montrer. Voilà, vous la voyez bien. Donc là, vous voyez qu'il y a trois pattes. Et donc c'est des vis particulières. Il y en a une ici également. Et les autres en bas, ce sont des vis cruciformes. Et donc en fait ça c'est fait exprès pour éviter qu'on démonte la batterie trop facilement. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... Vraiment, il y en a qui cherchaient des raisons. Bah non, c'est juste pour ça en fait. Et donc là je vais commencer par les vis cruciformes puisque j'ai mon tournevis cruciforme qui est là à côté de moi. Et ensuite on passera au tournevis de précision. Mais forcément vous voyez pas, je vois pas pourquoi je vous montre. Donc alors là il y a une technique, hein. Les vis sont de couleurs différentes, elles sont noires celles-ci. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le côté pour éviter de les mélanger avec les autres vis. Parce que bah, si je les mélange, c'est chiant quoi. Quand je vous dis que c'est vraiment petit, c'est regardez ma main, le point noir qui est au milieu, c'est une des vis de la batterie. C'est vraiment minuscule. Donc allez pas les perdre, parce que ça pour en racheter, bah, vous m'appelez hein, après que vous en trouvez. Et donc là, on passe aux trois pattes qui sont en haut. Pareil, elles sont de longueur différente, donc mettez-les à part. Alors... Oh punaise, ah non, ça c'est pas cool ça. Alors cette vis là, allez. Oh putain, je suis en train de niquer la tête de vis, bande d'enfoiré. Oh putain, les trous du cul. Oh mais les bâtards, je fais comment, moi je suis en train de niquer la tête de vis, les cons. Fait chier, putain, ils ont collé les vis, les bâtards. Bon alors, je vous retrouve. Alors en vérité, là on est le lendemain, comme vous avez vu. Parce qu'en fait, bah, hier j'ai ragé comme un con. En fait, j'ai à moitié foiré la tête de vis de la batterie en fait. Donc je vais tenter en dernier recours la technique de l'élastique. En fait, c'est assez simple, je vais vous montrer comment on fait là en direct live. Donc on va se faire un petit coup de zoom si vous le voulez bien. Voici la vis. Juste celle-ci. Donc je vais dévisser cette vis là, celle-ci. Et là j'ai mon élastique qui est ici, donc présentement avec mes gros doigts. Et bien là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'élastique sur la vis et je vais mettre mon tournevis. Alors il faut de préférence un élastique beaucoup plus fin. Là mon élastique est un peu épais et donc il faut mettre son tournevis dedans. Et normalement en théorie c'est censé venir, mais bien sûr il faut un élastique beaucoup plus fin. Vous y voyez pas grand chose, c'est normal, vous inquiétez pas. Je vais peut-être essayer avec un élastique plus fin après, parce que là, ça m'a l'air d'être une galère, pas possible. Bon alors du coup, en dernier recours, je vais me faire engueuler, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais utiliser la lanière d'un petit sachet que j'ai sous la main, qu'ils ont un petit machin en tissu comme ça dessus, hyper fin, mais assez costaud. Donc ça, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Alors je tente des trucs en direct live. Hop, c'est parti. Alors, où est la vis? Elle est ici, voilà. Allez, allez Mathieu, pour le peuple, Mathieu, pour le peuple, oh, Mathieu, c'est pour le peuple, merde. La France a besoin de toi, Mathieu. La France a besoin de toi, Mathieu, Mathieu, bah Mathieu, Mathieu. Putain, je suis en train de passer à travers comme un abruti. Putain, je suis en train de passer à travers, fils de... Bon, bah ça marche pas, donc je vais vraiment chercher un élastique et je vous revois dans 2 secondes, là de suite. Bon alors, comme vous voyez, j'ai été chercher un élastique. Alors on recommence, c'est reparti. Alors le problème c'est ça, c'est qu'on passe facilement à travers du fait que le tournevis est quand même super pointu, on passe facilement à travers des objets. Alors, je vais me faire engueuler parce que je vais y avoir trouvé tous ces élastiques. Bon alors jour 3 de l'opération Sentinelle. Je viens de changer la batterie, alors je vous explique comment j'ai fait. En fait, bah, j'ai attaqué la tête de vis à la Dremel, ça fait qu'il n'y a plus rien du tout. Là c'est la nouvelle batterie déjà. Donc j'ai carrément attaqué la tête de vis à la Dremel, j'ai tout défoncé la tête de vis. Là il y a encore la vis mais sans la tête dedans. Mais je m'en fiche puisque je vais pas remettre de vis justement. Ça sert à rien puisqu'étant donné qu'après on va mettre la coque par dessus, la coque est vissée, donc il n'y a rien qui bouge. Et vous pouvez remarquer aussi les câbles, ici les fils sont beaucoup trop longs, résultat bah ils...
Ils font ça. Par en dessous, ça passe pas. Donc je dis, bah tant qu'à faire, on va faire par au-dessus. Et la fermeture du capot ne gêne pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et chose que j'ai remarqué, c'est le voltage de la batterie. Ici, on est sur une batterie 11,1 volts. L'ancienne était une 10,95. Donc il n'y a pas énormément de différence. Quand je l'ai branché, il s'est rien passé, donc tant mieux. J'aurais cru voir une flamme ou une étincelle, il s'est rien passé, donc c'est plutôt pas mal. Faudra que je voie l'usage. Grosso merdo, comment on fait pour enlever la batterie? Ben, une fois que vous avez enlevé toutes les vis, il y en a également une ici. Au niveau du super drive, cette petite vis-ci à enlever, c'est une 3 pattes aussi. Donc faites gaffe, enlevez-la. Allez, en fait, ici, normalement, il y a un autocollant, attention, pour la garantie. Donc, c'est en dessous, il y a une petite languette qu'il faut enlever. Et une fois que vous avez tout dévissé, ben, en fait, vous tirez sur la languette. Là, il y en a une aussi, de languette. Il y a une languette, vous tirez dessus. Et vous tirez comme ceci. La batterie va venir comme ceci. Et ensuite, vous devez également, je vous l'ai pas dit, dévisser un cruciforme ici, qui est en fait le caddie d'isolation du disque dur. Donc vous devez juste dévisser cette vis-ci pour laisser un peu de jour. Et ensuite la batterie vient tout seul. Et manœuvre inverse, donc pour le remontage, vous reglissez la batterie, vous revissez le tout. Donc là, la suite de la vidéo, bah, on va voir si le MacBook démarre. Et on va surtout voir s'il a remis à zéro les cycles de charge de la batterie. Et si bah, le niveau de batterie a l'air de correspondre à peu près. Voilà, donc là c'est le moment où on rigole. Niang. Power. Oh, barre ta mère, c'est bon, ça fonctionne les enfants. Voilà, il revient à lui. Donc leur système est incorrect. Alors ça, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, il suffit d'avoir un wifi à proximité, un truc dans le genre. Et voilà, ma batterie se réaffiche. Alors on va surtout voir la batterie en fait. L'heure, on verra après. Nombre de cycles 1. Donc il a remis les cycles à 0. Condition normale, batterie installée, oui. Intensité du courant, moins 11. Enfin voilà. Et vous avez les tensions, donc tout va bien. Il te donne les tensions en millivolts. Ouais. Et là, je vais, tu vois, j'en appelle à mes profs de physique appliquée au lycée, tu sais. Toutes les tensions en millivolts. Ouais. Tout pour casser les couilles, tu sais. Putain. Voilà, on va le faire à l'africaine, ça sent très bien. Voilà, c'était donc le changement de batterie en 3 jours seulement de votre MacBook. Vous inquiétez pas, chez vous, ça va aller beaucoup mieux parce que. Moi j'ai une machine qui était défectueuse. Vous dévissez les vis, vous enlevez, vous changez la batterie, vous remettez le capot, c'est tout simple, ça prend grand maximum 1h30 quoi. Quelqu'un qui s'y connaît pas. Et pas 3 jours. C'est large, et pas 3 jours. Et ça, c'est j'en veux aussi après le temps, qui ça me manque cruellement. J'ai pas le temps, j'ai les études à côté, je suis étudiant, je suis un BTS MUC. Vous vous en fichez, bah oui, mais bon, je me justifie, donc je manque de temps, et voilà, vous voyez quelle heure il est, 20h42, j'étais en train de changer la batterie de mon MacBook, quoi, 20h42. Alors que je suis crevé, et qu'à cette heure-ci, normalement, je suis tranquille dans mon canapé en train de regarder Plus belle la vie, quoi. Moi, non, je regarde pas Plus belle la vie, non. C'était Seb, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je ne sais plus quoi dire, je viens de passer 3 jours de merde, donc voilà. Bref, je ne veux plus en train de parler de batterie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et à bientôt. Peace. Et vive les MacBooks. Batterie, tu fermes ta gueule.